Non, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de gros problèmes, mais ça va prendre un petit peu de temps, quoi. Tout démonter. Là, j'ai une petite masse, mais qui m'a l'air pas importante. Vraiment, je sais même pas ce que c'est, en fait. Donc, comme là, c'est mouillé, je traite ça en priorité. Là, je sais que j'ai un vide, parce que je me souviens sur le terrain, tu sais, le grand trou qui était dans la continuité des deux. Donc là, je sais qu'il n'y a rien. Donc là, je vais être... et en plus, c'est mouillé. Donc là, je vais pouvoir faire ça aujourd'hui, là, dans le temps que j'ai. Là, j'ai trouvé une autre masse, mais qui s'avère être pour l'instant pas intéressante. En fait, c'est juste des galets qui sont en train de pourrir. Tu vois, ça, ça. Vu sur le terrain, on ne savait pas ce que c'était. Mais là, moi, je sais que, a priori, c'est plutôt un galet en train de pourrir. Là aussi. Là, par contre, tu vois, donc là, je laisse sécher, je consolide, je vais alléger. Tu vois, regarde. Alors, attention, parce que ça, je viens juste de le traiter. J'ai déjà commencé à l'alléger la semaine dernière. Toi, partout où il y a le tissu, j'ai enlevé. Je vais continuer à l'alléger et en même temps à consolider. Et à partir d'un certain point, je vais le refermer, je vais le recoller en fait. Tu vois? Mais c'est à partir de quand je vais le refermer? Là, aujourd'hui, non, je ne vais pas le refermer aujourd'hui. C'est ça, c'est sûr. Voilà. Alors après, j'ai aussi les os qui ont été sortis sur le terrain, qui sont magnifiques, qui ont été dégagés. Et en fait, ça s'est décroché tout seul. Alors, je vais consolider là où ça s'est décroché, tu vois. Mais pas tout de suite. Tout à l'heure, pareil, à 5 heures. Ensuite, ce matin, j'ai démonté en fait toute la structure. Ça n'a pas été rien. Merci d'avoir mis des vis de différents embouts. Je me suis bien amusé. Enfin bref, ça y est, c'est démonté. Maintenant, j'ai accès. Et donc, dans un deuxième temps, si j'ai le temps cet après-midi, je vais attaquer en fait tout le tour. Puis je vais suivre les os. Je vais vous mettre un peu plus de lumière, non, peut-être. Ah, ça, par contre, je veux bien. Parce qu'en fait, c'est marrant. Hein, tout d'un coup, il y a du soleil. Et hop! Ouais, dès qu'il y a les nuages Et qui puis passent. après, ouais, j'aurais pu demander. Alors attends, je vais te le dégager. Parce que de toute façon, ce soir, en fait, tu vois, je vais mettre de l'eau sur l'argile et sur les tissus. Et je vais mettre du consolidant sur les os. Parce que là, ils ont eu le temps de sécher. Et puis, ben voilà. Là, comme j'avais bien imbibé d'eau, ici, là, au point le plus bas, la lumière fut. Ouais. C'est très humide, donc ça me permet d'avancer un peu ici. Si tu veux, voilà, j'en suis là. Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. Alors, ce qui était un peu décevant, c'est que la fois dernière, toute cette masse-là, il n'y avait Tu rien. penses, ouais, tu pensais qu'il y avait quelque chose, Bah, en fait, disons qu'il y non. avait un petit volume, donc il pouvait y avoir un truc. Il n'y avait Oui. rien. Donc on se retrouve avec un bout de sacrum. Attends, 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 c'est pas fini. Là, je pense que ça sent le roussi. Là aussi, mais c'est pas encore sûr là, parce que là il y a quelque chose. Mais ça va pas par là. Puis là, je sais qu'il y a un vide. Donc là, c'est mal barré. Là, je surveille pour voir s'il y a une connexion. Ensuite, je vais attaquer par tous les côtés en suivant les autres. Là-bas, là-bas. Et puis, en fait, pour découvrir un autre os, malheureusement, à mon avis, il reste plus que cette masse-là. Puis peut-être entre les deux. Entre les Je deux, vois pas mais... pourquoi, ouais. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être disloqué. Mais bon, voilà, on en est là. Mais de toute façon, le but du jeu, ce sera de sortir les trucs dans les meilleures conditions. Et puis après, je pourrais les enlever et les emmener au musée. Ici, apparemment, on est en présence de... À mon avis, au moins deux. Certains fusionnés. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Il n'y a pas de raison. Mais avec la suture au milieu, là. Ouais, là. Et là, ça correspond au vide du terrain. Tu vois, puisque j'ai atteint le papier. Donc,
normalement, en toute logique, les trois vertèbres fusionnées doivent raboter là. Mais bon, ce sera vite vu. Hein. Donc voilà, je laisse sécher les os, je les consolide. Là, j'ai un petit problème, mais en fait, c'est toujours le même problème. Tout ce qui s'approche de l'interface, c'est pourri. Plus tu t'enfonces dans la stratigraphie, plus ça devient foncé, plus ça devient solide. Donc là, comme je suis inversé, plus je m'enfonce, plus ça devient pourri. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est que je peux l'attaquer par tous les côtés. Donc ce qui fait que je peux, quand je suis sur mon cou, par exemple ici, c'est mouillé. Et je suis quasiment sûr qu'il n'y a rien, je peux y aller. Je peux y aller franco. Et plus j'en enlèverai, plus j'y verrai clair. Voilà. Il faut y aller petit à petit. Mais bon, il faut programmer, parce que comme en plus je ne peux pas venir quand je veux. Toi là par exemple, je sais qu'il y a du vide dessous. Je vois pas. C'est pas possible qu'il y ait quelque chose. Donc là, je peux y aller franco. On entend le plâtre. Voilà. Donc en fait, là, j'enlève franchement tout ce qui est sûr. Quoi. Là, pour l'instant, j'essaye déjà toi, de surveiller comment ça sèche, comment ça évolue. J'ose pas trop. Ouais. C'est pareil, j'ai un problème d'accessibilité. C'est pour ça que je me suis évertué à virer. Je sais pas si tu vois là, je pouvais pas faire ça avant. Donc en fait, si j'arrive par exemple à virer tout ça, je vais pouvoir être en meilleure position pour pouvoir traiter ces trucs-là. C'est pour ça que je le ferai après. Alors on voit la grave qui apparaît, on voit, on voit les cailloux. Ouais. Là aussi, il y a une grosse masse de grave. Je pense que je vais, voilà, je vais juste faire ça. De toute façon, j'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui. Et la fibula, j'ai réussi à reconstituer un autre tronçon. Mais je ne suis pas sûr à 100%. J'ai passé tous les bouts dans l'acide pour pouvoir les recoller véritablement. Et une fois qu'ils seront recollés, j'aurai un tronçon supplémentaire. Et ce tronçon supplémentaire, je vais pouvoir voir s'il connecte avec les autres déjà et s'il y a encore un manque ou pas. Je me demande si... Non, ça ne marchera pas avec les aiguilles. Je trouve quelque chose, je trouve des... Ça pourrait me servir d'aiguilles, pas des vraies aiguilles. Pas des aiguilles à coude. Hein? Bon, là, ça, c'est autre chose. Et viens voir les autres. Les UMT de cette année, mais ça, j'en revenais pas. Hein. J'ai toujours pas compris comment on a pu sortir 16 000 UMT. Alors, attends, elles sont pas là, elles sont là. Voilà. Que cette année, comptez par là, sur le terrain. 16 000 UMT. Et ça, c'est des fossiles cotés des années précédentes qui sont préparés, qui sont dûment préparés, inventoriés. Marqués, enregistrés, voilà. Qu'attendent un chercheur, il veut bien les étudier. Même les pièces à gabarit qui sont là, parce qu'on a été obligé de faire de la place pour pouvoir rentrer les choses qui ont été fouillées cette année.
En gros, c'est assez marrant, je ne l'ai pas fait exprès. On a externalisé 100 caisses. Voilà, tu as 100 caisses. Et cette année, on a rentré 100 caisses de la fouille. Alors, ça prend beaucoup de place parce que c'est pas préparé. Enfin, ça sera préparé, ça prendra moins de place. Mais pour l'instant. Ouais, mais alors, il est nettement plus petit que celui. Le gros qui est exposé. Qui est exposé, ouais. Alors attends, cette année on a sorti. Ben, cette année c'est un fémur. Il y a un numérus aussi encore cette année. Tiens, ce serait marrant de les comparer justement. La tête du numérus de cette année. Et celui-là. Tiens, j'avais pas pensé. Il y a un tibia, il y a une tête de fémur, une tête de tibia et une tête du numérus, si je me souviens bien. Si. Et est-ce que c'est la même extrémité ou c'est peut-être l'autre? Je sais pas.